occasionnelle, mineure. Je m'explique, un cheval s'est fait une toute petite plaie. On ne va pas le torturer pour ne pas mettre un petit anesthésique local pour une toute petite plaie. Un cheval a une toute petite colique spasmodique, un médicament à action, disons, raisonnable, mineur, peut être admis. Il faut quand même bien imaginer que c'est une autorisation, que ce n'est pas un droit. Qu'est-ce qui est par contre tout à fait interdit? Ce sont les anti-inflammatoires non stéroïdiens et les traitements répétés. Donc si le cheval a nécessité plusieurs traitements pour sa colique, il n'est plus question de le laisser partir. Toute personne sur un terrain de concours qui est trouvée en possession de seringues, d'aiguilles ou de produits interdits est considérée comme contrevenant d'office. Le cheval peut être prélevé à n'importe quel moment du concours. On procède à un prélèvement de fluide corporel. Donc ce qui est préféré des laboratoires, c'est l'urine, à défaut du sang, éventuellement de la salive. Mais ils servent également à essayer de déterminer une désensibilisation temporaire ou définitive ou une hypersensibilisation des membres du cheval. Au niveau international, on est en train de faire des recherches et même des applications sur la thermographie, donc qui cherchent les zones chaudes du membre, anormalement chaudes. D'autre part, le vétérinaire préleveur peut, en cas de suspicion, prendre un échantillon de poils, éventuellement un petit prélèvement de peau. C'est très important pour le sport de pratiquer ce genre de contrôle. C'est absolument indispensable et ça fausse tout. D'abord, c'est de la tricherie pure et simple, c'est de la maltraitance absolue des chevaux, donc c'est tout à fait inacceptable. Et puis ça fausse le niveau de difficulté des épreuves. Il y a toute une gamme de pannes donc, qui sont, je crois, les plus basses, ça doit être l'avertissement, etc. Et ensuite, des sanctions financières, donc des amendes ou des suspensions, qui peuvent aller jusqu'à l'exclusion, donc la suspension à vie. La personne qui se pose des questions, qui se dit bah, est-ce que je peux ou est-ce que je ne peux pas, c'est quoi le meilleur chemin pour elle pour être sûre de prendre toutes les précautions et de ne pas justement commettre une erreur? Bon, à mon avis, il y a trois étapes. D'abord, s'adresser à son vétérinaire traitant. Maintenant, il faut quand même informer le vétérinaire traitant, parce que quand il arrive dans une écurie, il n'a pas toujours le réflexe de dire est-ce que votre cheval va participer après-demain à un concours. Il s'occupe d'abord évidemment de traiter le cheval. La deuxième chose, si, c'est d'aller consulter les sites de la Ligue ou les règlements écrits qui sont fournis sur demande. Et s'il y a vraiment une question ponctuelle, on peut toujours s'adresser à la commission vétérinaire de la Ligue qui, en général, fait l'effort de répondre. Je vais vous parler maintenant de la 2GS, une véritable révolution. Alors la 2GS, c'est un nouveau produit qui est issu des ateliers CW Technologies. Nous avons élaboré un arçon en matériaux composites, carbone, Kevlar, fibre de verre, proactif, qui bouge avec le dos du cheval. Pour la première fois, nous avons intégré les matériaux composites dans la réalisation d'une selle de sport. On a essayé, quand on a dessiné la selle, de gagner un maximum de place de façon à ce qu'on réduise la distance entre les ischions du cavalier et le dos du cheval. L'objectif de cette selle est de beaucoup mieux répartir les pressions exercées par le cavalier sur le dos du cheval et de faire un lien complet entre le cavalier et le cheval. L'idée d'introduire le matériau composite dans la fabrication de cette pièce, qui peut être apparentée au châssis d'une voiture, c'est, comme son nom l'indique, c'est de pouvoir composer. Donc le carbone va plutôt avoir une propriété, va conférer de la rigidité à la selle. Le Kevlar, lui, va conférer de la flexibilité. On va donc plutôt avoir du Kevlar sur les pointes d'arcade, ces parties-là, pour donner de la liberté au niveau des épaules. Et du Kevlar également à l'arrière de la selle pour donner de la flexibilité, pour pouvoir, notamment au moment de la réception, avoir une selle qui vient suivre le mouvement du dos du cheval. Par contre, au niveau de l'assise du cavalier, on va avoir de la rigidité pour continuer à diffuser cette pression. Ainsi qu'au niveau de l'arcade, bien évidemment, afin d'éviter que la selle vienne s'ouvrir sur le garrot du cheval. Et pour le cavalier, on a rajouté deux inserts dans lesquels on va venir
mettre du gel afin de donner beaucoup de confort au cavalier. La grande nouveauté aussi de cet harçon, c'est d'avoir un siège en carbone, ce qui nous permet encore une fois de pouvoir gagner du poids. La recherche est aussi aujourd'hui dans le gain de poids. Le gain de poids passe aussi par cette révolution, le mot est peut-être un petit peu fort, mais en tout cas cette nouveauté avec des couteaux en carbone. Traditionnellement, on a des couteaux en fer. Là, on est passé sur des couteaux en carbone. Globalement, un couteau en fer pèse 150 grammes, le couteau. Là, on passe à 19 grammes. On considère aujourd'hui qu'une selle n'est pas uniquement un objet de tradition, c'est aussi un objet de sport, comme une paire de baskets, comme une raquette de tennis, ou un club de golf, ou une paire de skis. C'est quelque chose qui doit amener de la performance. C'est pour ça qu'on est passé sur ces matériaux et qu'on a entamé cette révolution technologique. Pour cela, d'ailleurs, on s'est entouré d'ingénieurs. On a des ingénieurs qui viennent du monde de la glisse, qui viennent de sports tels que le cyclisme, qui nous aident justement à construire et à concevoir ces nouvelles générations de selles en matériaux composites. Les infos de la Ligue, c'est également chaque mois dans l'Equimag.